J'ai des problèmes un petit peu de dos qui sont récurrents, donc voilà, c'est pas évident de se remettre, mais bon, petit à petit j'y arrive, je reviens donc physiquement. Après, c'est vrai que le temps de jeu, ben, c'est moyen pour l'instant, mais bon, il faut s'accrocher, je l'ai toujours fait, donc je vais continuer à le faire. On n'en a aucun doute. Hein. Donc, on est un média algérien, comme tu sais. Donc, moi, je vais te parler un peu de l'EN. Si je te dis équipe nationale comme ça, quel est le premier souvenir qui te vient à l'esprit? Forcément la Coupe du Monde. Forcément cette belle Coupe du Monde, c'est là où j'ai fini avec l'équipe nationale. Donc, c'est ce souvenir-là, avec toute la génération qu'on avait. Tu parles de génération, donc moi je pensais à toi, Mehdi Lassène, Bouguera, qui sont déjà partis. Est-ce que tu penses par exemple qu'il y a une relève pour ton poste, par exemple? Qu'est-ce que tu penses de la relève à ton poste, des gens qui jouent actuellement à ton poste que tu occupes en équipe nationale? Je pense plutôt au poste de milieu défensif, en fait, à droite. Bon, il y a de très bons joueurs. Je pense qu'il y a une jeunesse, il y a une force au poste de milieu. Donc, je pense que la relève est tout assurée. Bon, nous, on a beaucoup travaillé, on a fait avec ce qu'on avait, je pense. Et là, bon, maintenant, je pense que la génération maintenant de jeunes qui arrivent est plus talentueuse. Est-ce qu'elle fera mieux? Je leur souhaite en tout cas, je ne sais pas, parce que ça ne suffit pas des fois le talent, mais en tout cas, il y a vraiment, vraiment beaucoup de talent. Je reviens d'Alger, là. Je discute un peu avec les jeunes, ils ont parlé de toi. Ils disent qu'effectivement, en ce moment, Ben Taleb ne joue pas. Taider n'est pas à son meilleur niveau. Et le premier nom qui revient, c'est Mostefa. Donc les fans des Fenech n'ont pas eu la chance de te voir sous l'air Gourcuff. Moi, je voulais savoir si effectivement, toi, tu avais tiré un trait sur l'équipe nationale à titre personnel. Pas tirer un trait, mais bon, après, il faut être réaliste. Je pense que Christian Gourcuff a des objectifs, la Coupe du Monde, donc il veut une équipe un peu plus jeune. Donc, voilà, c'est gentil que les fans pensent à moi, et je pense souvent à eux aussi. L'équipe nationale, je la porte dans mon cœur, et je l'ai toujours fait. Ouais, ça va devenir compliqué. Je pense que les joueurs comme Ben Taleb, Taider vont revenir et puis apporteront beaucoup à cette équipe nationale. Terminer au Brésil contre l'Allemagne, c'est bien, mais terminer à Tchaker, tu ne penses pas que ce soit mieux? Oui, c'est sûr. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, personne ne le sait, mais je reste sur ce qu'on a fait déjà. Et c'est du concret et ce huitième de finale contre l'Allemagne, c'était déjà un grand moment. En tout cas, Mehdi, on te remercie pour ta disponibilité. Merci beaucoup. Et on espère te voir jouer un peu plus cette saison. Merci, c'est gentil. Bon.